Hello les potos, c'est Powerline. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau jeu. J'ai nommé Double Skill Test. Je sais plus si c'est vraiment le nom, mais en gros, c'est un test de skill. Il teste la constitution, your wisdom, your intelligence, intelligence. Le charisme. Pourquoi le charisme? Et maintenant, préparez-vous pour Test of Skill. Oh putain, ça fait mal aux yeux. C'est parti. On va tester notre skill aujourd'hui. On va voir s'il est positif ou négatif. Allez, qu'est-ce que j'avais dit? Mash pastos lift weight. Ok. 3. Allez. Teste la force, allez, 3, 2, 1. Ah merde. Viens, bon, force, on a rien. Allez, on va tester la dextérité du ninja. Prepare to press a random question on screen. Ok. H. Win. Win. Block all the stars with mouse. Allez. D'accord, encore juste cliquer là. Wouh! Pinky, don't cheat. C'est quoi ce. J'ai pas compris ce que je faisais comme. Ouais! Et maintenant, on teste la constitution. Click space 400 times. Ok. Alors, le but, c'est de pas lâcher. 400 fois. Ah! Ah, j'ai sens les biceps là. Ah, j'ai sens les. J'ai sens les. Ouh! 100 fois! J'étais en train de me moquer? Oula, je suis essoufflé déjà. J'étais en train de me moquer comment un jeu peut tester la constitution. Ah, j'ai mal au bras! Allez, on a fait la moitié. Comment un jeu pouvait tester la constitution? J'arrive à parler! La constitution! J'ai trouvé! Ah bah oui, bah voilà, comme ça c'est carrément plus facile. Ah, vous voyez l'astuce? Voilà ma astuce. Astuce très compliquée. Et. Don't give it to the. Ah, on doit résister aux insultes. You are stupid. Oui, ça je le sais. Je suis trop stupide pour lire ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis trop stupide pour réaliser que je comprends rien du tout. Hein. Mais. Je comprends rien à la vie. Hein. Put on headphone, turn up the volume and make sure you've written a will. C'est trop facile. Et l'intelligence on le garde en dernier. Allez, maintenant on va tester le Waze. Follow instruction, show on screen. Did you lie about the last question? No. Is this rhetorical question? Yes. Ah! Et merde! D'accord, il fallait se tester la stage. Oh, mais. Eh, mais ce jeu, il est fait bouffer que un câble ou quoi, là? J'avais pas envie de me prendre la tête ce soir, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, on va refaire la force parce que là, ça va pas là. Bon, allez, on va tester le charisme. Parce que moi, j'ai du charisme. Ah. With mouth. D'accord, faut se coiffer. Voilà. L'Oréal, parce que je le bien. What do you feel more attractive? This game. Use space to make a move when she's smiling. Eh vas-y, mais j'ai pas de charisme ou quoi là? Vas-y. Intelligence, vas-y, je suis un fou. Réponds à la question. What is the square root of 43? C'est la réponse B, bien sûr. Alors, tu vas mettre la souris dans le cerveau sans toucher les bords. Ah, c'est pas de l'intelligence, ça. Merde, pardon. Il va y avoir une couille. Pas possible. D'accord.
Et pourquoi? Alors, les gens intelligents voyagent dans l'espace, utilisent les flèches pour éviter donc les trucs de l'espace. Et d'où il y a que les gens intelligents qui vont dans l'espace d'abord? Hein? Moi, je suis stupide et peut-être, je suis peut-être allé dans l'espace, hein, que vous en savez. Je sais pas si ce jeu est vraiment un test. Wouh! Si, final. Alors, en tout. Oh. J'ai plus de dextérité qu'autre chose. Peut-on dire que ce jeu fait que de la merde? Après tous ces tests-là, ils sont faits juste pour vous faire péter un câble, hein. Juste pour vous faire croire que vous avez un ami, que c'est une cocotte en papier, juste pour vous faire croire que vous êtes un youtubeur qui est rigolo, juste pour vous faire voir que vous faites pas que des conneries, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fous encore là, toi? Je fais ce que je veux! Je suis chez moi ici! C'est toi qui m'as créé, donc techniquement t'es mon père, donc je suis chez moi! Donc, si j'ai envie d'apparaître dans toutes tes vidéos, n'en déplaise à qui que ce soit. Si vous êtes pas content, vous aussi, je vous emmerde. Bref. C'est quoi le jeu aujourd'hui, là? Ah, c'est le test de personnalité. Hey, je suis trop fort à ça, je suis imbattable. J'ai envie de participer, vas-y, restart. C'est au restart. Earth, restart the game. Alors les potos, aujourd'hui c'est Michel le cocotte en papier qui revient. Et aujourd'hui je vous propose... Et on voit tes jambes pour voir line. Pardon. Et aujourd'hui je vous propose... qu'on fasse le test là. Powerline a eu... Ah, j'aurais dû faire le screenshot, merde. Powerline a eu 5 en charisme. Et ensuite ça a dû essayer par plus de 1 ou 2. J'ai la voix qui part en couille, c'est le froid. Non, je déconne, c'est le show. Hé, hey, Powerline, voyez ici. J'ai besoin que tu me fasses la traduction. Powerline. Powerline, qu'est-ce que tu fous par terre? Je suis pas par terre, je suis assis d'abord. Bah, mais t'es assis par terre, c'est pareil. Bah, laisse-moi tranquille un peu, je dors, t'as dit que tu faisais la vidéo. Non, j'ai dit que je faisais le test. J'ai pas dit que je faisais la vidéo. Alors pourquoi t'as fait la présentation comme moi? Oh, ta gueule, il revient. Tu me dis pas ta gueule. Tu m'as encore fait parler alors c'est toi qui parlais. Je suis pas professionnel. Je suis obligé de tourner la tête pour montrer que mes lèvres elles bougent pas. Ouais, mais ça, on s'en bat les couilles. Même si je l'ai pas. Ah, c'est parti. Alors, prestige to start, je déconne, je vais pas faire le test. Ça l'avait déjà marre que je me fasse intervenir à chaque fois. Je vais pas non plus faire une vidéo complète. bon, pour online. La prochaine fois, qu'est-ce que tu nous prépares? Michel, eh bien la prochaine fois, je nous prépare une petite vidéo. J'avais envie de la faire depuis très très longtemps. T'occupes pas le nez, c'est dégueulasse! Ouais, bon, pardon. Vas-y! J'avais envie de faire une vidéo. J'en profite du fail de cette truc pour vous en parler. Avant de faire un autre truc, je vais vous en parler. Prochaine vidéo, on va faire un retour dans le passé. Comment tu le sais, toi? Je lis dans les yeux. C'est comme ça. Bref, Michel, la cocotte en papier, il a raison. Ah ouais? Faut juste savoir qu'il connaît. Mais ouais, il a raison. Il a raison, on va faire un retour dans le passé. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce jeu. Je l'adore, donc j'avais envie de le faire en vidéo. N'en déplaise au plus au fond. Arrête! Pardon. N'en déplaise au moins nostalgique, c'est un jeu qui va reprendre un peu... Qui va parler un peu aux nostalgiques et aux geeks de l'époque, hein. Arrête, Michel! Oh, mais c'est bon! Et ce jeu, vous portez sur quoi? Alors, vous attendez pas à un jeu XD PTDR, LOL de la mort qui tue, hein. Ce sera un petit jeu n'importe quoi, tu vois. Ce sera un petit jeu très calme. Pendant un petit moment, les vidéos vont être assez calmes. Mais je bosse déjà sur la vidéo spéciale 50 abonnés. Car vous êtes déjà 52 me suivre, si j'ai bonne mémoire, sur ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. J'adore voir ce chiffre grimper, franchement. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que si on arrive à 100 abonnés, la vidéo, je l'ai déjà en tête, je suis déjà en train de la préparer au cas où, parce qu'elle va demander beaucoup de travail. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'elle sera épique. Sur ce, les amis, on n'a qu'à se dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le retour dans le passé. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.
C'était Powerline 3-4-2 qui vous dit à la prochaine, les potos! Bonsoir, les amis. Je me présente. Je m'appelle Kit. Vous avez déjà dû me voir dans la série Night Rider. Je suis ici pour vous parler de Powerline 3-4-2. Ma base de données indique quelqu'un de drôle, d'amusant et de très doué dans ce qu'il fait. Aussi, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. Personnellement, je vais voir ses vidéos tous les jours lorsque je n'ai rien à faire. D'ailleurs, excusez-moi, on a besoin de moi. Powerline, embarque! Allons sauver le monde!